Voilà, bonjour tout le monde. Donc voilà, on va parler aujourd'hui enfin, principalement du bocage sahélien, de cette expérience que nous menons au Burkina Faso, qui a dépassé le stade de l'expérience en 30 ans et qui est une dynamique pour la restauration des sols et de l'environnement, d'une manière générale, de l'environnement dans le monde rural sahélien. Alors, on va peut-être introduire par deux petits films, un qui présente un peu la technique du ZAIM et Et puis puis un un autre autre qui qui présente présente enfin, enfin, c'est le le deuxième. deuxième, c'est des gens qui visitent des périmètres bocagers dans la région de Guiers. Ça va nous permettre déjà de, ça va vous permettre d'avoir des images de ce dont on va parler par la suite. Hein, donc sans tarder, on va lancer les deux films. Ayi ne tɔn tum kawai ya ya wala sa an pa niwa tɔn me pam tum na na an tum an songre me wala kura an pa yishu ma wɛn si han tum me pen pam da kura kere ndi ni kolo we wo le si an asa a fini si an me Non, c'est moi, pas vous de la barbe. Un bien niqué à l'ingénieur. Il Nous ressortons vraiment d'une saison agricole très difficile. On peut même la qualifier de catastrophique parce que dans la région, c'est pratiquement la première fois qu'on a enregistré une telle saison de pluie. Le problème chez nous, c'est la répartition de la pluie. Nos plantes étaient prêtes pour faire les piégeons. C'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment le manque de pluie. La sécheresse. Voilà. Donc, ça a vraiment beaucoup joué aussi. Tu ne peux pas me dire que tu as un peu de temps à faire un peu. Au lieu que cette mauvaise année-là soit une source de découragement, nous pensons que ça doit être surtout une source de motivation. Merci. Ça a peine là. La tonne pas besoin de mobile fou. Tonne tout ça est bille fou. Qui t'a maintenu sans rhum. Malgré qu'il y a certains qui n'ont pas récolté beaucoup, il y en a qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Donc ils ont des récoltes, des rendements satisfaisants. Souvent,
ton ya ne meng han tuma an ton rom pam nyor bilifu na songob mesi ki dam ti ton hanya hange tuma ton me hawa wa ari lam ti na ma kin gisi a na yi wan wan to la bu mu ti ti la wa ya to ari an yanga ye muri mon ni ni mi jin na me ma ti kim teru ton ya wan si mu do wa parabo nam bo si la lu na ti aka yam fa fa na ni ma menga ti han na tu sa ba bi ding sing sa to ko lu na la dabati wa tawa singu ton ya wan singi atum na yin ya to la ni ha mo ro bi fu wa tin ge ham tu so ngwa ne ngi da albi wo zai wo yin ga ai zonya ta tam ti da le singre la ya wana mpana wo me wo zo ya mpana no mpana ndai on me ga bi le mpana ting ti no la le to le vi zo ma ya ndi on ye mpana ni pa kwa yo mpana ti sak ya pa kwa ni sak ya Nous sommes devant le périmètre bocager de Tankouré, qui est le premier grand périmètre qui a été aménagé par la ferme pilote en 1998. Donc ça fait 20 ans cette année. Et il fait 100 hectares. Il a fallu donc travailler pendant des années en plantant des arbres, en menant une agriculture qui va agrader, donc ramener de la matière organique, de l'humus et tout ça. Un des objectifs aussi, c'est de pouvoir permettre à ce que l'eau de pluie qui tombe dans le champ reste sur place, parce que des fois on dit qu'il ne pleut pas assez au Sahel, mais on se rend compte que aussi c'est pas qu'il ne pleut pas assez, mais c'est que l'eau qui tombe est tout de suite voilà ravinée. Donc on fait un type d'aménagement qui va garder l'eau. Et on entoure le champ par une diguette en terre, et au bas du champ là il y a une mare qui va recueillir les eaux pluvieuses lorsqu'il y a beaucoup de pluie, quoi. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser par l'exemple. Donc là, ça veut dire que vous n'utilisez pas d'intrants, vous êtes, On utilise juste des intrants organiques, voilà. Il n'y a pas d'intrants chimiques. Et surtout que ça marche avec les intrants. Vous avez vu une différence? Oui, vous avez vu une différence. Il y a une grande différence, oui. Il est d'accord. Donc il a répondu. L'aménagement se fait selon de la division des champs en plusieurs parcelles pour faciliter la rotation culturelle. Voilà, donc on fait du sorgho cette année sur cette parcelle. L'année prochaine, on va faire le sorgho sur une autre parcelle et on peut laisser cette parcelle en jachère ou faire d'autres légumineuses et des choses comme ça. Et dans cette partie jachère, on fait du pâturage et c'est le bœuf qui s'est annoncé là. Parce que c'est vraiment important, surtout quand on inclut l'élevage dans le système là. Et vous avez, est-ce que vous avez des arbres dans votre système, ou est-ce que c'est Oui. Ça, c'est les arbres, c'est un des éléments les plus incontournables du système là. Déjà avec la haie vive là,
Et donc à l'intérieur, les champs sont entourés de haies. Et dans les axes aussi, on plante des arbres. Et comment ça a été, votre implantation a été reçue par la population? Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Bon, au départ, il fallait d'abord montrer pour que les gens voient. Et ils voient un peu les bénéfices avant de s'intéresser à cela. Avec les demandes qu'on a d'aménagement de périmètre, on voit que les gens ils comprennent, commencent à comprendre bien, bien les choses. Donc, voilà. Et là, vous avez quand même 12 000 personnes sur la zone on a 12 000 personnes. Qui sont intégrées vivent dans ce mode agricole. En fait, ça se passe comment? On a, dans un village, il peut y avoir des agriculteurs qui sont intéressés, qui ont un terrain, qui sont intéressés pour qu'on aménage. D'accord. Donc, ils se regroupent et ils viennent voir la ferme pour en faire la demande. D'accord. L'idée, c'est d'aménager dans les endroits où les gens ont abandonné, quoi. Les terrains abandonnés, faire revivre, voilà, faire revivre ces zones-là. Lorsqu'on fait la visite et que c'est aménageable, il y a tout un long processus comme ça. Le plus important, il y a effectivement l'aménagement, mais il y a surtout l'exploitation, la mise en œuvre, là. Voilà, la mise en valeur, de dans ce cas-là, c'est lui qui le fait. La mise en valeur, c'est l'agriculteur qui est accompagné par les animateurs, les techniciens. On les accompagne pour la mise en valeur. D'accord. Voilà. Donc on peut dire actuellement que vraiment le Sahel là, a besoin d'abord de dispositifs comme ça. Et après maintenant, on va voir pour la mise en valeur. Là. Combien de techniciens par rapport au nombre d'exploitations agricoles? Il y a combien de... Donc, pour ceux qui suivent les agriculteurs, chaque périmètre a un animateur qui les rencontre lors de réunions ou bien sur place même dans leur champ ou bien à domicile même. D'accord. Voilà, pour échanger un peu sur la mise en valeur là, surtout. Il y a à la fois protection des sols, mais en termes de productivité, est-ce que vous êtes plus productif que ceux qui n'utilisent pas En termes de rendement, Plus productif, c'est au niveau des techniques agricoles, on va dire. Parce que quand on part d'un sol dégradé, et si on n'amende pas avec de la matière organique, surtout par la technique du zaï, plus productif, on dirait non. Non. Parce que ça serait la même chose. Ouais. Bon. Mais en termes de quantité, mais en termes de quantité d'eau stockée, infiltrée dans le sol, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous, donc, du coup, ça peut durer plus longtemps. Voilà, c'est ici, ça peut durer plus longtemps. Okay. Voilà. Par l'apport de matière organique, dans 20-30 ans, on reconstitue le sol arable. Bien sûr. Non, est-ce que c'est un processus qui convainc les autorités? Est-ce que les maires, les responsables de district, sont convaincus? Je dirais oui, parce que le système bocager, là, en tout cas tel qu'il est repris dans des documents des ministères. Et des fois même, on est invité, on est convié à des ateliers pour partager notre expérience là. Bon. Je peux dire en tout cas qu'ils sont convaincus. Donc maintenant, on attend maintenant que on nous accompagne. Pour le petit coup de pouce. C'est ça. Ici, c'est la partie des champs expérimentaux de la ferme. D'accord. Que nous expérimentons pour mieux convaincre les gens. Traditionnellement, les gens faisaient la monoculture sur une parcelle. Mm-hmm. Et quand ils remarquent que le rendement n'est plus ça, il peut aller couper à nouveau. Mm-hmm. Mais on se dit qu'avec le temps, ce n'est pas évident qu'on puisse se déplacer comme ça. Mm-hmm. Donc avec ces techniques-là, on essaie de mettre en place pour pouvoir rester pendant longtemps sur ces parcelles et augmenter nos rendements surtout. Mm-hmm. La technique du zaï, en fait, c'est une technique qui consiste à faire des petites poquets, comme vous le voyez, et amender avec du compost. Avant de semer. D'accord. C'est une vieille technique ou c'est une technique Vieille technique peut-être délaissée avec le temps, mais voilà. Donc c'est le retour. C'est le retour. Et là, est-ce que ces techniques-là vous permettent de résister à un épisode de sécheresse? Justement, c'est avec cette technique que vous voyez que les plantes sont bien évoluées. Parce que juste après le semis, on fait ce qu'on appelle le sacral localisé. C'est-à-dire après les premières semaines seulement de la germination, on vient sacler au pied des mines. À ce stade-là, il n'y a même pas l'herbe qui pousse dans les poquets. Donc ça permet, quand il va pleuvoir seulement, ça pousse plus rapidement. Voilà pourquoi ça est déjà à cette taille-là. Quand il pleut, même si c'est une pluie de quelques millimètres, ça permet de garder le peu d'eau qui est tombé. Tandis que les cultures traditionnelles, juste après une pluie, quelques jours, ça commence à... C'est déjà sec, et à des endroits, ça commence à crever. Mais par exemple, ces plantes-là, ils peuvent résister à ce stade-là même.
3 semaines, il peut visiter une CCRS. Pourtant, les cultures traditionnelles, ce n'est pas évident. Est-ce que vous arrivez à convaincre les jeunes de vous rejoindre? Bon, à travers le centre de formation, là, on accueille des jeunes de 14 à 18 ans. D'accord. Voilà. Ils sont formés sur 3 ans ici. Donc actuellement, on a autour de 45 jeunes. Il y a une promotion qui est en stage et il y a 2 promotions sur place ici. Mmh. Voilà. Ici, l'association travaille avec 11 villages. Donc pour rejoindre un village pour une activité, il n'y avait pas de bonne voie. En plus, si on délimite sans planter, petit à petit, les agriculteurs vont reprendre l'espace délimité. Donc, ce qui fait qu'on plante de gauche à droite. Là, il s'agit des eucalyptus, les nîmes et puis le caïcédra. Vous avez combien de personnes qui travaillent dans la pépinière là? Et nous sommes au nombre de 6. 6 femmes permanentes et d'accord. Puis les élèves apprentis. D'accord. Il y a les élèves que l'association a recrutés et ils sont ici pour 3 ans d'apprentissage. C'est surtout les plantes locales que nous produisons. Il s'agit de cassia siberiana. Il y a le combretum qui est de ce côté. Et puis il y a le diospyros mespiliformis. Donc ces 3 espèces sont utilisées pour la construction de nos haies vives. Nous produisons aussi les plantes locales fruitières, telles que le baobab, le néré, le kapuki à fleurs rouges, les lianes. Donc ces arbres sont utilisés au milieu des champs, dans les périmètres bocagers. Du moringa? Oui, on fait le moringa. Voilà. Mmh. On produit aussi les plantes exotiques, le papayer, goyavier et puis manguier. Mais ça, c'est au niveau des jardins à domicile. Voilà. Une fois gagnées les graines, on fait des expériences. Mmh. Bon, le moringa, nous avons commencé à comprendre l'importance. Et puis nous sensibilisons aux gens rôtis. Et puis ils viennent acheter pour aller planter dans leur terrain. Quel prix vous vendez par exemple? Bon, par exemple, les plantes locales telles que le cassia siberiana, nous vendons à 100 francs. Mais ce n'est pas le vrai prix. Si on va voir la terre que nous achetons, voilà, c'est ça. Donc c'est pour sensibiliser les gens à planter. Ça, ouais. Voilà. Voilà, donc vous avez pu plonger dans notre univers burkinabé. Donc c'était 2 films au niveau de la ferme pilote de Guiers, comme c'était indiqué. C'est la première des 4 fermes du réseau Terre Verte, les autres fermes étant dans des régions plus au nord du Burkina Faso. Et donc... vous avez pu donc voir le premier film, c'était surtout orienté sur la technique du zaï, mais ça nous a permis aussi de voir un peu comment se passe la vie des paysans et des paysannes. Et puis le deuxième film, c'était sur ces aménagements bocagers, ce bocage que nous instaurons pour le Sahel. Donc c'est tout le processus de transformation des paysages qui sont au départ dégradés par la désertification. Et par ce travail, bon là on n'a pas vu, on a vu un tout petit peu au début du premier film des femmes qui creusaient les tranchées. Donc ça c'est le processus de création des diguettes qui vont ensuite être reboisées pour créer le bocage. Et donc on voyait donc dans le deuxième film tout ce système bocager qui consiste en fait à créer un nouveau cadre où la nature et l'homme sont en harmonie en fait. Parce que il n'y a plus de divagation du bétail, donc il n'y a pas ce problème de surpâturage. Il y a une meilleure gestion de l'agriculture, des parcelles, de l'eau aussi. Parce que quand, comme le disait Saïdou Kabouret dans le film, en fait, au Sahel, il pleut autant qu'ici, à peu près, autour de 700-800 mm. C'est à peu près la pluie qui tombe sur le bassin parisien. Et cette pluie arrive très violemment, un petit nombre de pluies et sur une saison assez limitée, qui va de la fin mai au début octobre.
et la pluie tombe, il y a à peu près des 700-800 mm, nous tombe à peu près en une quarantaine de pluies. Et une pluie, en général, ne dure que pas plus de 3/4 d'heure, souvent moins. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'eau qui arrive en même temps. Et il faut que cette eau ne s'écoule pas, ne se perde pas dans les rivières, et que cette eau s'infiltre à la fois pour servir l'agriculture, la prairie, les arbres, et bien sûr aussi les nappes phréatiques, où après on va puiser l'eau avec les forages pour les besoins domestiques. Donc tout ce travail, en fait, c'est une sorte de nouveau deal, nouvelle façon de faire les choses que nous travaillons avec nos équipes locales. Alors c'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et nous, à Guillé, là, nous l'avons commencé il y a 30 ans cette année, en 1989. Et donc c'est un travail qui a fallu d'abord inventer, puisque c'était une idée qu'il a fallu développer, qu'il a fallu tester. Et ensuite, on a pu développer ça avec des paysans, et puis ensuite avec d'autres sites, d'autres fermes dans d'autres régions du Burkina Faso. Voilà. Attendez, il faut lever la main. C'est comme à l'école, il faut lever la main. Voilà. Pardon, c'est exactement cette question que je voulais poser. La technique du ZAI, qu'est-ce que c'est ? Alors, la technique du ZAI, c'est une technique traditionnelle du Burkina Faso et peut-être d'autres régions du Sahel. C'est-à-dire que autrefois, il y a peut-être 50 ans, 100 ans, les gens, en fait, pour préparer la terre, du fait que la pluie souvent est insuffisante en début de saison des pluies, ils tapaient la terre, en fait. Il donnait juste à l'époque, il donnait un petit coup de pioche à la terre de façon à ce que quand la pluie va venir, ça fasse une mini flaque d'eau. Et cette mini flaque d'eau, en fait, fait que l'endroit où on a fait le trou, il y aura un peu plus d'eau qu'à côté. Donc c'est pour que la terre soit un peu plus mouillée à certains endroits Après, quand on va faire le semis de la céréale, ça va pousser avec plus d'eau. Donc ça, c'était la technique originelle du ZAI. Et la signification de ZAI en moré, ça veut dire s'empresser. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui pratiquaient ça partaient travailler dans les champs avant les autres. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, février, ils partaient au champ pour préparer la terre. Et donc, ils s'empressaient d'aller alors que la pluie n'était pas encore là. Et ça permettait qu'au mois de mai, au mois de juin, donc la terre soit un peu plus mouillée. Donc, à l'époque, c'était suffisant. Et puis, avec les grandes sécheresses des années 68, 73, qui ont marqué beaucoup le Sahel, en fait, il y a plusieurs personnes, enfin les paysans, les utilisateurs du ZAI ont en fait évoluer cette technique en faisant des trous beaucoup plus grands. Et après est venue l'idée d'ajouter dans ces trous beaucoup plus grands, d'y ajouter du compost. Et alors il y a certains le recouvrent, d'autres ne recouvrent pas ce compost. Mais là on a donc beaucoup plus d'eau qui est conservée dans la petite fossette. Et le compost qui va dynamiser le démarrage de la culture. Donc, vous voyez, une technique a évolué parce que la situation climatique a beaucoup évolué et aussi parce que les terres se sont beaucoup dégradées ces 50 dernières années. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle au Burkina Faso des terrains qu'on appelle des IPLE. Ce qui veut dire dans la langue locale des places vides, la terre est un peu comme blanchie, donc la place est vide. On appelle ça aussi des clairières, mais enfin, peut-être pas tout à fait la même signification qu'ici. Et donc, c'est des zones en fait qui peuvent faire de quelques hectares, parfois quelques dizaines d'hectares. Et ces terrains en général sont les plus fertiles, c'est les terrains les plus argileux.
Et ces terrains fertiles peuvent rester des décennies durant sans qu'aucune herbe pousse. Et quand on, parce que l'eau ne s'infiltre plus. Et quand une toute petite herbe va commencer à pousser, la chèvre qui va passer par là va la croquer. Donc l'herbe ne peut pas s'implanter. Parce que c'est l'herbe qui fait que, naturellement, c'est l'herbe, l'arbre, l'arbuste qui font que l'eau s'infiltre dans le sol. Donc quand il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus d'arbuste. Et puis qu'il y a des animaux qui sont là pour détruire le peu qui va se mettre à, qui peut pousser par hasard. Donc le terrain reste vide pendant des décennies. Et quand on vient avec la technique du zaï, donc on fait des trous qui font à peu près 20-30 cm de large, 10-15 cm de profondeur. On a tout de suite à la première pluie, l'eau qui s'écoule va s'infiltrer et créer une petite zone de fertilité avec le compost. On aura une zone très locale qui sera fertile. Et on va semer le mil sur le bord du trou. Donc le mil, c'est la céréale, le mil ou le sorgho. Sur le bord du trou, va avoir l'eau et le compost pour son développement. Et une fois que son développement va se faire, les racines du sorgho, les racines du mil vont pouvoir, grâce à la terre humide, descendre en profondeur. Et l'eau aussi va suivre les racines et constituer des stocks d'eau en profondeur pour les périodes de sécheresse. Ce qui fait que quand on peut avoir une terre qui, pendant 20 ans, 30 ans, rien n'a poussé, et en une seule saison agricole, on a de très bons rendements. C'est très spectaculaire la première année. Et surtout, ce qui est intéressant la première année, c'est que comme on arrive sur un terrain complètement nu, il n'y a aucune adventice, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Il n'y a aucune adventice qui va pousser. Donc la culture est là, elle se développe très bien, presque sans grand travail, sauf le travail d'avoir fait les trous. Voilà. Voilà pour le zaï, l'explication de pourquoi et comment le zaï. Alors, il faut lever la main parce que... Yeah. J'avais juste une question en termes de... Vous avez parlé, dans le film, on nous a parlé de la protection des sols, nous disant que... Je pense qu'on parlait du bocage à ce moment-là. Ouais. Que c'était donc un plus. Par contre, quand on a demandé si la productivité était supérieure, ils ont dit non ou pas à court terme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce dont ils parlaient? Ah, je sais, je vois pas. En termes de rentabilité ou productivité, il a dit non, finalement, c'est pas forcément plus productif. Il faut le voir dans la durée. Oui, c'est-à-dire... Pardon. Ah oui, enfin, parce qu'il y a deux choses. Il y a le bocage et il y a le zaï. Le zaï, en fait, c'est une technique qui va se faire... Presque tous les paysans... presque tous les paysans le font maintenant. C'est une technique qu'on peut faire dans n'importe quel endroit. Tant qu'on a on est paysan, on a de la terre, on peut faire le zaï. Par contre, le bocage, ça, c'est un dispositif qui est... c'est plutôt un cadre... Vous voyez, c'est un cadre général dans lequel on va travailler. Et le bocage, en fait, vous pouvez faire des diguettes, planter des haies vives, mais ce n'est pas pour autant que systématiquement, ce qui est entre les haies va bien pousser. Parce qu'on peut faire, vous voyez, on a fait nous-mêmes l'expérience en 1992. On a mis en défense, on avait une zone, ce que j'ai appelé le Zipelé tout à l'heure, une zone désertique, on l'a mis en défense, c'est-à-dire qu'on l'a entouré d'un grillage. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de coupe du bois et il n'y a plus d'animaux en divagation. Et donc, depuis 1992, on a laissé la nature se reconstituer d'elle-même. Et cette zone désertique, elle n'est toujours pas refermée. On sent que d'année en année, c'est comme une peau de chagrin, ça se rétrécit d'année en année. Mais vous voyez, depuis 1992, ça fait 27 ans, eh bien, c'est toujours pas entièrement refermé. Le milieu est toujours désertique.
et ça va prendre peut-être encore, ça s'accélère par contre, on sent ces dernières années ça s'accélère, donc ça va peut-être encore prendre 5, 6, 7 ans avant d'être entièrement régénéré. Donc vous voyez, le bocage, c'est un cadre général qui permet de mieux protéger, de mieux conserver l'eau, de mieux gérer la biodiversité, de mieux gérer aussi la divulgation du bétail. Mais après, à l'intérieur du bocage, il faut aussi d'autres techniques. Et le ZAI, par exemple, va servir à l'intérieur du bocage pour régénérer les sols et relancer l'agriculture. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que c'était dit. Le bocage, il a besoin d'être mis en valeur, en fait. Ce cadre que nous créons, avec les clôtures, avec les haies vives, tout ça, ça demande après tout un travail de mise en valeur des champs à l'intérieur. Je pense que c'est ça que c'était le sens de l'explication. Le ZAI permet d'avoir des rendements de 2 à 3 fois la moyenne du paysan, on va dire conventionnel, traditionnel. Et alors, ce qui est le plus intéressant, en dehors même de l'augmentation des rendements, ce qui est très intéressant, c'est la sécurité des rendements. C'est-à-dire que le ZAI permet de traverser les accidents climatiques. Parce que ce sont les accidents climatiques, c'est des périodes, quand on parle d'accidents climatiques, ce sont des périodes de 2 à 3, voire 4 semaines sans pluie. C'est des choses qui peuvent arriver au Sahel. Et donc, si vous avez semé, ça commence à pousser, et puis vous avez 3 semaines sans pluie, dans une culture plus classique, c'est assez compliqué. Alors que grâce aux ZAI, l'eau s'est infiltrée, et donc les plantes ont descendu des racines plus profondément, donc elles vont mieux traverser cette période de sécheresse. Voilà, donc ça fait que, parce que c'est ces périodes de sécheresse qui vont souvent provoquer les crises en termes de rendement de culture et les crises alimentaires ensuite. Donc on arrive avec le ZAI à mieux traverser ces périodes difficiles et donc à sécuriser les rendements. D'ailleurs, on a chaque année donc les ruralies qui sont la fête du monde rural auquel il y a un concours agricole, et à chaque ruralie il y a un thème. Et il y a une année, le thème, c'était le ZAI, notre assurance récolte. Au niveau du travail, en fait, c'est-à-dire que les gens qui font le ZAI, ils peuvent commencer même en décembre, mais souvent ils commencent en janvier après les fêtes, et ils peuvent étaler leur travail. C'est vrai que le travail du ZAI est beaucoup plus dur, mais il peut être étalé de janvier à mai. Donc, si quelqu'un, par exemple, décide, ben, je vais travailler dans mon champ 2 heures tous les matins à la fraîche, s'il tient bien le rythme, il va réussir pour le mois de mai à avoir fait tout son champ. Et par contre, celui qui va seulement aller dans son champ travailler de manière plus classique au mois de mai, il aura beaucoup plus de travail, mais un travail très concentré. Donc, entre les deux, ça peut s'équilibrer. Mais c'est vrai que le fait que le ZAI remue beaucoup de terre, globalement, il y a plus de travail, mais on peut mieux le répartir. Et puis, dans la deuxième partie, c'était le compost. Oui, le compost, voilà. Et au niveau du compost, en fait, souvent, c'est un peu la problématique du ZAI, c'est d'arriver à avoir le compost nécessaire. Parce qu'on se rend compte que le ZAI sans compost ne donne pas satisfaction. Ne donne pas vraiment de bons résultats. Il y a besoin du compost pour dynamiser, parce que les sols, avec le temps, les sols, contrairement à autrefois, les sols sont très pauvres maintenant en matière organique. Donc il y a besoin de cette matière organique pour dynamiser le départ de la végétation. Donc ça, c'est souvent le facteur limitant, parce que tout le monde n'a pas d'élevage. Et tout le monde n'a pas toujours le moyen soit d'en acheter, parce qu'on peut acheter aussi du compost. Donc le compost qui est surtout un produit qui est issu de l'élevage, en fait. De l'élevage des bovins et des caprins, et tous les herbivores. Oui. Alors, il y avait d'autres... Ah, vous avez raté votre tour.
Oui, alors... Ah, oui. Ah d'accord, ok. Oui, on part, mais justement, la question de la dame tout à l'heure à propos du bétail m'intéressait bien quand même, parce que ce bétail, qui est quand même pas du tout de la morphologie des nôtres, bien entendu, et il produit peut-être un peu moins d'excréments, justement, et où va-t-il vraiment manger et en quantité suffisante dans ce type de région, en fait, hein, comment... Et justement, pour fabriquer le fumier, ce que nous, on appellera plus du fumier que du compost. Mais voilà, c'était un peu ça la question. Ces animaux qu'on empêche un peu de gambader à tout manger, là. Et comment ça se passe, ça? Alors, en fait, le problème de l'élevage, c'est pas tellement sa présence qui est gênante, mais c'est la manière dont c'est géré. Parce que bon, quand vous avez un milieu naturel, bon, là-bas c'est la savane, en fait dans la savane les troupeaux se déplacent sans arrêt. On voit, quand on voit les documentaires, on voit toujours des troupeaux qui se déplacent. Et donc dans la nature, dans l'écologie normale de ces régions, les troupeaux se déplacent et l'herbe même a besoin du passage des troupeaux pour se régénérer. Mais l'inconvénient, c'est que tout ce bétail qui se retrouve associé à la vie des villages, il est en permanence sur le même lieu. Donc vous avez des zones éloignées du village où il y a toujours suffisamment d'herbe, des fois même beaucoup trop. Et puis autour des villages, vous avez cette pression des animaux qui fait que dès qu'il y a une petite pointe d'herbe qui va sortir, il la coupe, donc l'herbe s'affaiblit, alors que l'herbe a besoin d'un certain cycle entre la fauche, la coupe, le broutage des animaux, et pour se régénérer. Donc c'est cette pression qui fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est mieux gérer le passage des animaux sur les zones d'herbe, ou bien parfois garder les animaux dans des parcs, surtout en saison sèche, garder les animaux dans des parcs, venir les nourrir avec des herbes sèches de la brousse ou de l'ensilage ou du foin ou des déchets de culture. Et à partir de là, on peut facilement avoir déjà le compost et on évite ce problème de dégradation. Donc c'est plus un problème de gestion de l'élevage qui est posé en fait. Et maintenant, au sein du bocage, puisque le bocage tel que nous le faisons, ce sont des grandes zones de 100 à 150 hectares qui sont clôturées par un grillage et à l'intérieur desquelles on peut bien travailler sans la pression des animaux. Et maintenant, on fait rentrer, on a vu dans le film des animaux qui étaient en train de brouter avec une clôture électrique. Voilà, on fait venir les animaux et ils vont brouter l'herbe d'une manière, pas permanente, avec un cycle, et de manière contrôlée. Et donc là, ce n'est plus nocif pour le pâturage, pour l'herbe. Et bien sûr, les arbres qui sont à côté sont protégés. Parce que souvent, il y a beaucoup d'arbres en fait, qui ne peuvent pas se reproduire, qui disparaissent de la brousse, simplement parce que dès qu'ils sont petits, ils sont consommés par les animaux. Alors tous les arbres ne sont pas consommés, c'est-à-dire qu'il y a certains arbres qui se développent, qui continuent à se développer malgré les animaux. Mais une grande partie des arbres disparaissent aujourd'hui. Moi, c'est par rapport aux arbres, justement. Dans le schéma, vous avez trois types de haies vives et des arbres aux tiges en plus au centre des champs. Et je me demande quel type d'arbre vous utilisez et pourquoi leur utilité et des noms d'espèces et pourquoi là-bas et pas ailleurs. D'accord. Donc, en fait, le principe du champ bocager que nous avons conçu, c'est d'arriver à avoir des champs qui sont... bon, d'abord, il y a la répartition des terres. Quand on fait un aménagement, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont candidats, parce que c'est les anciens propriétaires qui se réattribuent des nouvelles parcelles qui ont été retracées avec... de manière géométrique. Donc, on est limité déjà à 2,5 hectares en général, 2,5 hectares par paysan.
On pourrait faire plus, mais c'est parce que tout le monde veut son morceau, donc il faut se limiter. Donc on est à 2,5 hectares. Maintenant, ces 2,5 hectares, on les redivise en 4 champs. Alors pourquoi 4 champs ? C'est pour qu'on puisse faire une rotation culturelle suffisamment longue. Parce qu'avant, on faisait 3 champs, mais 3 champs, c'est trop court comme rotation. Donc on fait 4 champs. Et maintenant, ces champs sont délimités par des haies vives, donc qui séparent les champs, qui retiennent l'eau sur les bords des parcelles et qui aussi arrivent à arrêter les animaux à l'intérieur du périmètre quand ils rentrent aussi avec les clôtures électriques. Et donc, la haie vive entoure le champ. Et là, il y a ce sont des espèces locales. Il y a énormément enfin, les noms ne vous diront peut-être pas grand-chose. Il y a du zamené, il y a du ginkga, il y a c'est toutes les plantes locales que l'on peut mettre à l'intérieur, enfin dans les haies, ce qui permettent soit d'avoir différents effets, soit un effet coupe-vent, soit un effet de production de bois, production de fruits. Et puis ensuite, dans l'axe des champs, alors les champs sont vraiment rectangulaires, mais tout est retracé vraiment à 10 cm près. Et dans l'axe du champ, maintenant, on met des grands arbres. Alors la haie, ce sont les arbustes qui vont rester très, très courts, très bas. Et puis dans l'axe du champ, ce sont les grands arbres. Alors des grands arbres qui vont avoir différents effets, soit des effets de production de certains fruits, de bois à très long terme, et puis aussi des arbres fertilitaires, c'est-à-dire des arbres qui vont enrichir comme dans le principe de l'agroforesterie qu'on voit ici, c'est des arbres qui vont par leurs feuilles ou par les nodosités de leurs racines enrichir le sol pour les cultures. Alors il y a aussi une chose qui est très importante, on n'en parle pas souvent, c'est l'équilibre écologique par la biodiversité. Et si, par exemple, on ne met que des haies vives dans un milieu, il n'y a que de la haie vive, vous n'aurez pas tous les types d'oiseaux. Par exemple, vous avez des oiseaux, enfin surtout les rapaces, par exemple, qui vont vivre plutôt un peu plus en hauteur, faire leur nid ou vivre en hauteur, ou ont besoin de la hauteur aussi pour viser les mulots ou les serpents au sol. Donc le fait d'avoir des grands arbres, des petits arbres, et puis une rotation de culture, une alternance avec la jachère, avec la prairie, tout ça donne une biodiversité et un équilibre écologique. Ce qui fait que souvent, on arrive dans ce type de milieu, on arrive à éviter certaines maladies ou certaines infections, enfin envahissements parasitaires, ou soit des parasites, soit des animaux qui vont, des rats, des choses comme ça, qui vont détruire les cultures. Donc c'est le principe de l'équilibre écologique qui fait qu'il y a la haie et puis les grands arbres aussi. Alors aussi pour revenir pour les jeunes, le travail des jeunes dans l'agriculture, en fait, c'est pas toujours parce qu'ils ne veulent pas de ce métier, mais c'est parce que le contexte fait que c'est très difficile de se projeter dans de se construire un avenir pour un jeune dans l'agriculture. Simplement pour une seule raison principale, c'est la question foncière. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les villages, jusqu'à il y a 10, 20 ans, en fait, la population avait une grande réserve foncière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des pays africains, sauf quelques niches très spéciales. Mais il y a toujours... Il y avait. Aujourd'hui, c'est un peu très différent. Mais il y a de grands espaces fonciers. Donc, traditionnellement, on use de la terre, on dit souvent, on use de la terre comme de l'air et de l'eau. C'est-à-dire qu'on a besoin de cultiver, on va cultiver un endroit. Enfin, je parle au passé, aujourd'hui c'est plus pareil, mais autrefois,
on a besoin de cultiver, on va cultiver, on demande, il y a toujours un propriétaire du terrain, on demande, on nous accorde, et on utilise de la terre comme de, comme de l'air. On a besoin de l'air pour respirer, on a besoin de l'eau de la rivière pour boire, ou du puits pour boire. On a besoin de la terre pour cultiver. Et quand cette terre est un peu dégradée, ou elle a donné ce dont on avait besoin, on va se déplacer, on va à un autre endroit. Et c'était assez normal que les gens fassent comme ça à l'époque, puisqu'ils avaient énormément d'espace. L'Afrique, et même aujourd'hui, on dit que c'était quand même un continent qui était sous-peuplé. Donc, il y a de l'espace, on le gère différemment. Et aujourd'hui, avec l'évolution, surtout l'évolution de la population, la démographie, il y a une pression anthropique sur le milieu qui est telle qu'il y a beaucoup de zones dégradées. Et après, pour que quelqu'un se disent, ben moi je vais soigner une terre et puis je vais m'installer comme agriculteur. En fait, du fait du système foncier qui est très ouvert, qui n'est pas bien défini entre les gens, eh bien, ça fait qu'on peut investir dans un terrain et sans aucune garantie que ce terrain, on l'aura toute sa vie et surtout qu'on pourra le transmettre à ses enfants. Donc, il y a un besoin de cette clarification, moi j'appelle ça la clarification du foncier par l'établissement d'un cadastre. Et en même temps, il faudrait aussi ne pas perdre certaines valeurs de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, parce qu'on peut avoir accès au cadastre, c'est assez coûteux. On peut prendre un terrain non cadastré, le faire enregistrer au cadastre. Mais souvent, ce sont les gens qui ont les moyens, les commerçants ou les gens qui ont des ressources, qui vont le faire, parfois à l'insu des autres. Ce n'est pas toujours très clair. Et ces gens se garantissent au cadastre, le terrain. Mais c'est une question de moyens aussi. Hein. Mais pour le commun des Sahéliens, des Burkinabés, c'est pas quelque chose d'évident. Et en même temps, c'est un blocage, en fait. C'est un blocage pour un vrai développement de l'agriculture et surtout pour les jeunes. Oui. Moi, je voulais vous demander comment est-ce que vous mobilisez peu à peu, puisque vous souhaitez développer ces territoires, il y a du bocage, comment est-ce que vous mobilisez peu à peu, comment vous sensibilisez peu à peu la population locale? Il y a sans doute, j'imagine, des freins, peut-être importants, par rapport à des habitudes, par rapport à des traditions qui se heurtent peut-être à ce que vous amenez, à ce que vous proposez. Et en même temps, vous parliez de formation. Comment est-ce qu'elle se fait, cette formation? Comment c'est les bénévoles qui la dispensent? Ça a un coût, c'est subventionné. Comment ça se passe, cette formation qui est importante, j'imagine, si vous voulez développer. Alors, pour arriver à partager, à divulguer toutes ces techniques, nous travaillons essentiellement par l'exemple. C'est-à-dire que, bon, sauf les toutes premières expériences, parce qu'au départ, nous-mêmes, on ne savait pas trop bien faire les choses, donc on a demandé à des gens de travailler avec nous pour tester. Mais à partir de l'année 96, on a pris un principe, c'est qu'on ne propose jamais à quelqu'un de travailler avec nous. Il faut que les gens viennent, que ce soit pour travailler dans l'équipe, que ce soit pour faire un périmètre bocager, que ce soit pour rentrer dans l'école du bocage, l'école de formation. Le principe, c'est que on attend les gens, voilà. Et c'est ce qui prend beaucoup de temps. Alors, on est très ouvert, par contre, à faire visiter, à parler aux besoins de ce que nous faisons, tout ça. Mais tant que un groupe de paysans n'est pas venu nous voir pour dire, voilà, on voudrait faire un périmètre bocager sur notre terrain. Quelquefois, même, ça nous énerve parce qu'il y a des endroits où on sent que
ça serait vraiment des endroits intéressants. Et les gens en parlent d'une manière évasive, mais ils savent que le principe, c'est à eux de venir nous voir. Oui. Et c'est très important parce qu'il faut de la motivation et puis il faut aussi que des paysans s'entendent entre eux. Alors ce qui arrive quelquefois, c'est que des gens viennent nous voir pour un projet d'aménagement. On va avec eux sur le terrain et catastrophe, on a déclenché une guerre dans le village. Et puis, on se retire tranquillement, voilà. Et puis, quelquefois, 5, 6, 10 ans après, ils reviennent et ils nous disent, voilà, on s'est entendu, maintenant on veut le faire. Vous voyez, donc il y a des choses. Vous savez, la question foncière, c'est pas évident. Imaginez que, par exemple, vous prenez un village en France et les gens doivent se repartager la terre, quoi. C'est ça, en fait, hein. Alors, on a cette chance. Dans l'état d'esprit du pays, on a cette chance formidable, c'est que les gens acceptent de se repartager à surface égale. Parce que, vous voyez, dans la tradition, il n'y a pas de... Dans la tradition, il n'y a pas de cadastre proprement dit, mais les gens savent, avec la limite d'un carité, d'un arbre, d'une termitière, d'un chemin ou de quelque chose de physique, de repérable, ils savent que ça, c'est la terre de telle famille, ça, c'est la terre de telle famille. Et la structuration du foncier, elle est pas, si vous voulez, il n'y a pas de cadastre, mais il n'y a pas de terre qui n'appartienne à personne. Sauf une fois dans un village, il y avait un endroit vraiment, c'était du caillou. Et alors, j'ai dit aux gens, ben ça, ça appartient à qui ? Ah, ben ça, c'est pour le gouvernement. Voilà. Voilà. Donc là, c'était vraiment parce qu'ils n'en voulaient pas. Voilà. Sinon, bon, même le principe, c'est qu'au Burkina, la terre appartient à l'État. Après, elle appartient à des familles, ce qu'on appelle des chefs de terre. Alors, vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir un groupe de 5 villages, trois ou quatre villages, et il y a un village auquel les autres appartiennent. Ça peut arriver. Par exemple, le village de Guié, il possède la moitié d'un village voisin et tout un autre village voisin, ça leur appartient traditionnellement. C'est-à-dire que c'était les premiers occupants. Et des gens sont venus s'installer sur une partie de leur village, mais tout le monde sait que c'est votre village, vous pouvez y faire tout ce que vous voulez, on ne vous embête pas, mais ça nous appartient. Hein, c'est un peu comme l'Angleterre appartient à la reine d'Angleterre, mais elle ne fait pas ce qu'elle veut dans chaque chalet, quoi. Voilà. Donc et après, dans chaque village, il y a les familles, il y a des quartiers. Les quartiers se partagent le terrain. Après, dans les quartiers, il y a des familles. Donc, par finir, on peut trouver même des gens qui sont propriétaires individuellement d'une terre, mais tant qu'ils s'en occupent, en fait. On est respecté dans ce qu'on fait sur la terre, en général. Après, il y a quelquefois, bien sûr, comme toujours, des histoires entre les gens. Mais en général, le fait de faire quelque chose sur un terrain, vous en faites non pas un propriétaire, mais un utilisateur de droit. Voilà. Donc, c'est un peu les mécanismes. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est des mécanismes qui allaient très, très bien du temps où il y avait peu de gens sur de grands espaces. Mais aujourd'hui, avec la démographie importante, galopante, comme on dit, il y a vraiment un problème de terre. Et on se demande comment ça sera, parce qu'aujourd'hui, il y a 19 millions de Burkinabés, et en 2050, on dit qu'il y en aura 40. 40 millions de Burkinabés, c'est comme 80 millions de Français. En France, on est 60 aujourd'hui, hein, 60 millions, je crois. 65, voilà. Donc, vous voyez, mais c'est un pays qui est pas aussi, enfin aussi riche en termes d'environnement. On n'est pas aussi riche qu'en France, quoi. Voilà. Pour la formation, on a tous les programmes. Alors, on s'occupe. Bon, moi, je m'occupe principalement de l'agriculture au sein de Terre Verte de la ZN. Donc, je suis vraiment dans le domaine agricole. Pour ça, je ne parle pas beaucoup
des écoles, du social, de la santé, tout ça. Mais comme le disait Alfred, on a tout un programme avec SOS Enfants de parrainage. Donc ça, c'est pour amener les enfants, le maximum d'enfants à l'école. Et dans la région de Guié, il y a quasiment presque du 100% de scolarisation des enfants. Après, il y a toujours des enfants qui ne veulent pas y aller ou des parents qui ne veulent pas. Il y a toujours quelques cas. Mais tout enfant qui veut, grâce au parrainage, parce que c'est un parrainage mutualisé, donc tout enfant qui veut aller à l'école peut y aller facilement. Et après, avec des facilités pour aller pour les meilleurs dans le collège, le lycée, et même jusqu'à aujourd'hui, on a même des enfants parrainés à l'université. Oui. Donc ça, c'est la partie plus école classique. Et après, au niveau de notre association, nous avons l'école du bocage, donc l'école agricole, qui reçoit une vingtaine de jeunes, qui recrute chaque année une vingtaine de jeunes, et les jeunes restent 3 ans avec nous. Donc ils sont en internat. Donc il y a 2 années de formation au sein de la ferme pilote de Guié, et à la fois sur le terrain, des choses très pratiques, et puis des formations en cours du jour, en cours du soir. Et la 3e année, ils sont en stage dans une ferme. Donc en 3e année, ils vont mettre en pratique dans une ferme du réseau de Terre Verte. Voilà. En creusant les trous, on va faire une petite digue qui permettra à bien retenir l'eau sur la parcelle. Voilà. Comme ça, on va pas n'y être. C'est un peu comme ça. A causa me. A tonum banga so montan to mazem sa wa de mil. Pani kobna nam sanda wa tungi gida tonu kala. Ni kamta ton papa ma minima wa ton tawa de mil wa kata e. De mil la ton da yi kampam ton no e ti fel ma song ton do. Ti ton ken wo yu ya. Ni kamti beno wa bam ta ba am da banga la me. Ana fala yi da ton da tum ne kobna nam sa. Voilà, observez bien comment est-ce que l'eau coule. L'eau coule dans ce sens, parce qu'il y a une panne. Ok. Vous voyez ici, c'est l'effet de l'érosion quand il pleut très fort. Venez voir maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je verse l'eau? La digue retient l'eau. Sinon, s'il n'y avait pas la digue, l'eau allait continuer ses semis. Ok. Observez bien pour la suite, pour voir comment est-ce que, quand l'eau remplissait le premier trou, ça part où? À gauche et à droite. Vous voyez?
pour les quinconces, vous voyez que quand l'eau a rempli le premier trou, ça vient là. On voit les traces même de l'eau. Donc, et quand ça déverse, ça part toujours sur son chemin. Donc l'eau qui déverse ici là, ça allait remplir ce trou là. Vous comprenez? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment l'importance du zaï comme ça quoi. Les demi-lunes qui, avec une pluie de quelques millimètres, voilà, ça permet de retenir le peu d'eau qui tombe sur votre parcelle. Parce que les gens font tout ça. Ils ne font pas les gens tout ça. Ils font tout ça. La tombe, les gens font tout ça. Ils ne font pas les gens qui ont fait tout ça. Ils ne font pas les gens qui ont fait tout ça. Parce que les gens font tout ça. Ils 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 font tout ça. Ba mi hinda tan pindi bulo tan yinga fa ha wum ne bal ya fo pa am le bi go fo hinda ta wa ya fa ko na ha ba la ta ba wo tu ya fo so bo la ko wi ti ya ma ka na ma na na ko ma ha ma ta ma ta ba ma ko la ma ne bo kuli ta li yemu ma fa de bo na se ya on pa mbo ya ha wala. Voilà, vous avez dit que 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 vous For how and to ball a me come to Fuller and Palmer building a bank for Palmer Tiako, Lima half for Hannah and to ball a maha. For two the fang, Tiako Mahala, who don't go standing. La première des choses, c'est d'observer le ruissellement de l'eau sur le terrain pour pouvoir bien vous positionner pour creuser vos trous. D'après vous, comment est-ce que l'eau coule sur ce terrain? Oui, effectivement, tu as raison. L'eau ruisselle vers là. Donc, on va se mettre en face de l'eau pour creuser les trous en mettant la terre derrière le trou pour que ça puisse retenir l'eau. Je vais vous faire une démonstration de quelques trous avant que vous commenciez. Voilà. Et rappelez-vous qu'en classe, on avait parlé de la dimension et des trous de zaï, l'espacement entre chaque trou qui fait 80 cm et l'espacement entre chaque ligne, c'est-à-dire la deuxième ligne qui va commencer à partir de là et qui va faire un quinconce, là c'est 80 cm. La profondeur du trou est de 10 à 15 cm et le diamètre est de 30 à 40 cm. Vous vous rappelez bien? Oui. Là où j'ai un tour, il y a un tour. Il y a qui pour vous? Là, il y a un tour. Vous n'avez pas de tour, il y a un tour. Il y a un tour. Vous n'avez pas de tour dans ça. Ça entend vite le tour. Là-bas, on est bien.
janvier wa ke ang la ton sing re tuba o sa pa ndir nya wa ya ma ha ti fu pon ak dili da ma ha la fo sing bo ko ki da wa o hon ta sin ak la la fo yi tem bala bebe me tun bil bil fu sa wa ya bi lo ran ki sa sing fin bala fo atam pa ma ti ta wa fo me handa ta ti ko lo ho yo aborder tout son mam tu toi abordan yo taba me fo han vilim si ali ali lindi wa han la buri la borda han yi ala me pa si a song da fo ne ko ba ye me ko ma han yala da me song da ye me ti mon ba fa ya nan donc toi tu continues avec Mali voilà toi tu peux déjà commencer. Regarde, toi, tu vois que tu commences à ne pas vraiment être bien allié avec le premier trou là. Tu es un peu en arrière. Donc, il faut commencer à corriger dès maintenant. Sinon, après, ceux qui te suivent là vont faire des erreurs aussi. D'accord? Et prochainement, ce sera l'amendement des trous avec le compost. Donc, d'ici fin mai, en tout cas, on attend une bonne pluie seulement pour attaquer le semis. Wow, tu nous aimes naya non ou tu? Là, on va t'acheter pour vacances. Tu vas en taper un anglais ton benzine, n'est-ce pas? Pour m'y mettre bien au sacré jour. Bas ça, on n'a pas ouvert. Ah bien, on va pas te l'ordre ensemble, vous savez. Pour semer, on attend une bonne pluie et que les trous soient humides. Ou on peut semer aussi à sec en espérant qu'une pluie arrive assez rapidement. Pour semer dans les trous de zaï, on met 4 à 5 graines maximum dans la terre de la diguette à la frontière du compost à une profondeur de 3 à 5 cm. Ce matin, on est là sur un champ pratiqué, le zaï. Et là, maintenant, il est temps pour nous de le cultiver. On va le cultiver avec le sarclage localisé. Voilà. Il faut le faire comme ça. Tout autour, ça permet d'enlever les mauvaises herbes. Ça permet à l'infiltration de l'eau quand il va pleuvoir. Et encore, ça permet aux céréales la croissance plus rapide. Essayez, je vais voir. Ya comme ya pipi ko ba yam pan sira nam hi men ne jinga jang ko be bora ko ba la yam ko da nya kar mo ambe ci wa se
Venez voir. Mais maintenant, ce que je précise, c'est à ne pas casser cette digue-là. Tu vois, soit tu peux le cultiver ici, soit ici, en gardant toujours la petite butte qui va garder l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Donc, faites vraiment beaucoup attention aux petites diguettes derrière. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Après la semis du 29, il y a eu une sécheresse de presque comme l'année dernière de 3 semaines. Ah ouais. Mais ces plantes-là que... ont résisté. Ça, c'est sûr. Ça dit, on était prêts, quoi. On n'a pas raté toute la première pluie. Ouais. Après le cercle a localisé, il y a un certain temps qu'on laisse, on regarde si l'herbe commence à grandir. On revient maintenant pour le deuxième cerclage qui est le cerclage total. Tu vois, l'herbe comme ça, là même, c'est du paillage, quoi. Ah, naturel donc, un couvert de sol, de l'engrais vert. Ici, le mil a du bon rendement. Avec les violents vents, ça fait tomber certaines tiges. Donc, il faut toujours penser à mettre au pied du mil toujours un peu de terre pour que la fixation des racines soit très profonde. Oh. Il y a beaucoup d'herbes. Oui, justement, parce que le terrain, mais tu sais, le terrain, d'une part aussi, c'est parce que la terre est bonne. Bien sûr que oui. Est-ce que dans les épelés, on voit ça? Jamais. Jamais. Ce qui veut dire qu'en tout cas, parlant de restauration des sols, on peut dire que... Ah ouais. On a gagné, bon. La flèche à la tête, mon gars. Malatona singa otiaka
Attends, il a dit que tu pas lui vous aurez. Alors, comment est-ce que vous avez le bout de mes kines? 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 Quand tu es un ndi tu passes à tu fais les gourous à tes tu me dis tu passes à pour moi tu t'arrêtes on lave pas ça toi là on est venu mais il nous a dit tu t'en tues là on a quelque chose on t'en tient on va rattraper un jour à zéden on est pas au montéré on est loin de mettre on tient maintenant n'a pas été qui est manque au soir on est venu mais t'as rien. Ah, les gens ne pas si ils ont été élevés. Ils sont normalement tous les gens. Ils ont été élevés. 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 Ton fanfan ne farika wala mentunde koba ya ton fanfan ne farika wala mentunde runda runda koba ale pa ko yarie yam sana ko Mangi en putanere, en seltise, laiman kukwara, lai tujae wawa, lai tumne biriga, dawa nyogi bugum, dawa mpusitim, yam sama na wotone, ina sama tengonga, kikoba yole ya ton fafa, ne farika wala mentunde. Koba ya ton fafa, ne farika wala mentunde. Ne farika wala mentunde. Ne farika wala mentunde. L'agriculture est notre patrimoine. Nous devons la léguer indemne à la future génération.